Eh bien salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Ball Z Kakarot sur PlayStation 4. Et aujourd'hui, on attaque le premier DLC, la première extension du jeu. Un nouveau pouvoir s'éveille, partie 1. Rappel de l'histoire, guidé par une voix énigmatique, Sangoku et Vegeta se retrouvent soudainement dans un nouveau monde étrange. C'est là que les deux Saiyans s'entraînent plus dur que jamais et puisent dans une nouvelle dimension de puissance. Ça a l'air plutôt cool, on peut débloquer du coup une nouvelle transfo, un nouvel entraînement, de nouveaux objets et des nouvelles histoires secondaires, c'est ça qui est surtout intéressant. Et comme vous pouvez voir, il y a 3 DLC de prévu, au moins 3. Donc la partie 1, c'est avec le Sangoku, avec le Super Saiyan Red, enfin Super Saiyan God, celui aux cheveux rouges. Il y aura probablement le Super Saiyan Blue et la troisième partie, honnêtement, je ne sais pas. Mais j'espère que ça sera l'arc avec Broly. Ça serait super si ça serait le cas. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais allez, on croise les doigts, ça sera peut-être un super arc contre Broly, ça pourrait être super cool. Laissez-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez sur les 3 DLC, mais à mon avis, le Super Saiyan Blue en deuxième position, c'est probablement sûr. Le Super Saiyan God, l'histoire avec Beerus, c'est celle qu'on va attaquer aujourd'hui. Et la troisième partie, on n'a aucune idée, mais je vous laisse faire vos suppositions dans les commentaires. Allez, on est parti. Yes. もしもし、もしもし、そこのお二方、聞こえてますよね。実はあなたたちにとーっても素敵なプレゼントを用意したんですよ。ほら、そろそろ目を開けてください。え？どこだここ。誰かに呼ばれた気がしたけど、でもなんでオラこんなとこにいるんだ？カカロット？あれ？ベジータ。もしかしておめえなんかオラ呼んだの？誰が貴様など呼ぶものか。貴様と同じく俺も誰かに呼び出されたんだ。なんだ。それじゃ一体誰が？私ですよ。孫悟空さん、ベジータさん。誰だおめえ私の名前はウィスウィスさんとでも呼んでくださいあウィスさんだなわかったバカめそんなこと今はどうでもいいだろう貴様なぜ俺たちをこんな場所に呼び出したなぜ俺たちの名前を知っている貴様のようなやつとは一度も会ったことないはずだぞその通りですベジータさんの言う通りこうして私たちが顔を合わせるのは初めてですですがそんなことはどうでもいいのですよどうでもいいだと大切なのはあなた方二人がかなりの強さを持っているということそしてもっと強くなりたいと思っていること。え？念のため確認しますが、お二人とも強くなることがとーっても大好きですよね。ふん、サイヤ人が強さを求めるのは当然のことだ。オラたち、もっともっと強くなって、いろんなやつと戦ってみてえと思ってる。それでは、あなたたちが強くなるのを私が手伝ってあげましょう。手伝ってって、それってオラたちと修行してくれるっていうことか？ええ、そのためにわざわざここに来てもらったのです。二人にはこれからいくつかの課題を与えますから、それをクリアしていってください。ちゃんとクリアしていけば、あなたたちはそれはもうとーってもパワーアップすることができますよ。本当かそれ？にわかには信じがたいな。そもそもそんなことをしてお前に何の得がある？私に得とか損とか関係ありませんよ。重要なのはあなたが強くなりたいかどうか、ただそれだけなんです。ならばさっき伝えた通りだ。
サイヤ人が強さを求めるのは当然のこと。よろしい。それでは修行を始めるとしましょう。ですが、今回のことはいわば裏技のようなもの。本当なら、こうしてここであなたと会うこともおかしなことなんです。いいですか？そこのところはあまり深く考えないようにしてください。いいですね。なんかよくわかんねえけど。わかった。いいだろう。強くなれるのであれば気になどせん。お二人には期待していますよ。ぜひとも強くなってビルス様の暇つぶしに付き合ってくださいね。ビルス様？おい、今何と言った？やってるね。おや、起きてらっしゃったんですか？ちょうどさっきね。ビルス？ビル？ビルス様だと？いやあ、ベジータ王子、久しぶりだね。なぜあなたが？ん？さっきウィスが言ってなかった？僕の暇つぶしに付き合ってほしいんだよね。暇つぶしだと？ですか？この頃、ちょっと運動不足気味でさ、少し体を動かそうと思ったんだよ。いつもならウィスに相手をしてもらうんだけど、たまには思考を変えるのもいいと思ってね。はあ。こいつは。あほん。こちらは破壊神のビルス様。宇宙一強い破壊の神様です。破壊の神？その通り。とっても強いんだよ、僕は。本当かよ。じゃあさ、オラと試合してくれよ。その破壊神の力っちゅうのを見てみて。バカ野郎、なんてことを。怖いもの知らずですね。僕お前にそんなこと口にできるなんてね、面白いじゃないか。まあ僕はその辺で昼寝してるから、戦いたくなったらいつでもどうぞ。もっとも今の君程度じゃ僕は満足しない。ウィスにしっかり鍛えてもらって挑むことをおすすめするよ。じゃないとあっさり消してしまうかもしれないからね。そんなに強いんか、ビルス様。まあそんなわけで精一杯励むことだね。ウィス、あとは頼んだよ。さて、これで今のあなた方の状況はよくお分かりになったでしょ。ビルス様のためにどんどん強くなってくださいね。強くなったらビルス様と戦えるんか。俺はワクワクしてきたぞ。くそったれ。強くなるのはいいが、それが奴のためだとは複雑な気分だ。さあ、それでは早速修行を始めるとしましょうか。おのおの準備が整ったら私に声をかけてください。よし、いっちやってみっか。Bien, on attaque du coup le DLC, enfin, et on a le choix du coup entre Goku et Vegeta, si je ne me trompe pas. Voyons voir. Personnage. Yes, exactement. On peut switcher entre les deux. Apparemment, les deux auront une histoire différente. On va commencer avec Goku, vous savez quoi? On va faire un tour de l'île d'abord. Enfin, plutôt de la planète de Beerus. J'ai envie de checker un petit peu les horizons. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas joué à ce jeu, donc... Faut que je reprenne un petit peu la main.
histoire de pas être trop rouillé. Est-ce qu'on peut aller jusque là-bas? Voyons voir. On va ouvrir la map. Non, malheureusement, la map est vraiment toute petite. Il n'y a pas grand-chose à faire à part affronter Whis et Beerus apparemment. Vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps. Je vais pas vous embêter avec le tour de la planète. Comme vous pouvez voir, elle est toute petite. Par contre, j'ai perdu nos amis. Ah, ils sont là. Ils sont là. Bon, vous savez quoi, je vous propose qu'on commence avec Whis. Hein. On va y aller mollo. Ah, c'est quoi ça? Ah, le poisson de l'oracle. Poisson oracle. Alors, c'est toi que Whis entraîne, hein? Tu viens de la planète Terre, c'est ça? Juste pour info, je n'ai pas vraiment besoin de cet argent que vous utilisez sur Terre. Mais si tu m'en donnes, je te donnerai les choses de ma collection personnelle. D'accord. C'est une boutique. Ah, c'est principalement des... D'accord, des objets de guérison. On va pas les utiliser pour le moment. On lance l'entraînement. Yoroshi desu ka? Soyons clairs, la difficulté des défis augmentera dramatiquement à mesure que tu progresses. Garde bien ça à l'esprit. Termine ton entraînement et je te récompenserai avec quelque chose qui augmentera énormément ta puissance. Voilà qui devrait te motiver au maximum, pas vrai? Nous verrons, pas vrai? Voici l'entraînement que j'ai préparé rien que pour toi, je te souhaite une bonne chance. Alors, entraînement super montée de niveau. Remplis les objectifs, d'accord. Recommandé, niveau 5. Bon, ça devrait être simple. On est level 73, hein. Ah oui, là, c'était vraiment beaucoup trop simple. Ah oui, mais attendez, alors là, c'était complètement... Bain adversaire avec une attaque spéciale. Inflige des dégâts une fois à un adversaire avec une attaque spéciale au corps à corps. Inflige des dégâts trois fois à un adversaire avec une attaque au corps à corps. D'accord. Au sacré. Bon, c'est pas grave. Au sacré, si tu veux renforcer un personnage, essaye de lui donner un peu d'eau sacrée. Sélectionne-la simplement dans le menu objet. Ok, ça rapporte de XP. On a débloqué un jeton Whis, emblème d'âme. Je trouvais plus le nom. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu. なかなかですよ、悟空さん。ビルス様。どうなさいましたか？何？ちょっと確かめたくなってね。どれくらい強くなったのかを。ヒヒ、ウィスさんのおかげで、俺かなり強くなったぞ。いいね。だったら手合わせといこうか。 Niveau 20. Bon, c'est cool. Entraînement rupture des limites. L'entraînement rupture des limites est l'endroit où tu peux obtenir des transfos. Ah, c'est bien. En complétant les défis d'entraînement, tu obtiendras l'accès aux transformations et tu débloqueras des exercices d'entraînement supplémentaires. Le Kaioken, d'accord. En gros, cette extension, j'ai l'impression que c'est une sorte de cheat code pour le mode histoire principal. Du coup, c'est bien pour ceux qui viennent juste d'acheter le jeu avec le DLC. Mais il n'y a rien pour le moment d'intéressant. J'ai hâte de tomber sur vraiment l'histoire principale. Ok. Vous savez quoi, on va se transformer. On va aller mollo Super Saiyan 2. C'est quoi ça? Nouvelle attaque. Comment on fait pour se protéger? J'ai oublié. Comme ça, ok. Oh merde. Ok, intéressant. Waouh, joli l'esquive. Voilà. Parfait. Ah, je voulais poser un poids de dragon, malheureusement. J'ai pas assez de ki, comme vous pouvez voir. Nickel. On va essayer de terminer, si on y arrive. Ah,
C'est tellement stylé quand on est dans ce mode. Je trouve trop classe. Ah, il a de la vie, hein, mine de rien, pour un level 20. Impressionnant. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même level 73, hein, ce qui est assez haut. Logiquement, les level 20 dans le mode histoire, dans l'histoire principale, on les écrase à un point. Bien. On va essayer le point du dragon. Encore. Waouh, il a changé ses attaques, vous avez vu? Étourdissement. Finition. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé poser un combo étourdissement. すげえ。ほら全力でやったのに、ビルス様全然余裕だ。こんなもんだろうね、今の君は。まだまだ。ほらやれっぞ。その状態じゃ無理だね。それに今の君になんぞ興味はない。ウィス。はい。 僕は昼寝の続きをやる。後のことは頼んだよ。わかりました。ちくしょう。オラが弱いから興味なくしちまったんかな。いいえ、そんなことありませんよ。先ほどの試合はあなたの素質を見極めるための戦い。もし素質がないと判断されたのなら、あなたは容赦なく消されていたでしょう。 げげ、本当かよ。ですが、あなたはこうして生き残っている。つまり素質ありと認められたのですよ。そうなんか。だったら嬉しいけんでよ。ですが、まだそれだけです。これからはあなたが持つ力をより解放できるよう修行をしていきますよ。ああ。 俺はもっともっと強くなって、ビルス様を驚かしてやる。その意気です。そのあなたの意志に敬意を表し、一つ力を解放してあげましょう。Sangoku peut désormais utiliser le Kaioken. Merci. Vous l'avez déjà débloqué. それなら、オラも使えんだけどな。おやおや、そうでしたか。しかし、せっかく頑張ったのですから、何か。ふむ、ならば、こちらを差し上げることにしましょう。あ、cool。わあ、すんげえ。サンキュー、イッサン。この調子で頑張っていけば。 もっと素敵なことが起こりますよ。本当か。俺ワクワクしてきたぞ。さて、それでは次の修行の話をしましょうか。次からはこの私と実践形式の試合をやってもらいます。これまでの修行で培ったものを私にぶつけてください。まあ、私はとっても強いので。 どんなに思い切りやっても構いませんよ。お、やっぱすんげえんだな、ウィッシュさんも。とはいえ、ビルス様と遊んで疲れたでしょ。少し休憩を取りましょうか。休憩を取った後、準備ができたら私に声をかけてください。うん、わかった。 いい感じですよ。まだまだウィッサには届かねえけんどな。おっほっほ、それは仕方ありません。ですが、人の存在でここまで可能性を秘めているあなたは実に珍しい存在です。この調子で成長していくことを期待しますよ。
Sangoku peut désormais se transformer en Super Saiyan. Super Saiyajin nara ora mo nareru ndakendo. Oh ya, sou deshita ka. Naraba, kochira o sashiageru koto ni shimashio. D'accord. Super Saiyajin 2 nara ora mo nareru ndakendo. Oh ya, sou deshita ka. Naraba, kochira o sashiageru koto ni shimashio. Super Saiyajin 3 nara ora mo nareru ndakendo. Oh ya, sou deshita ka. Naraba, kochira o sashiageru koto ni shimashio. Au suprême. Uisa no okage de ora sungi tsuyoku natte kita kanji ga suzo. Kanji dewa arimasen. Jissai ni tsuyoku natte iru no desu. Sono shoko ni. Ah, Pirus-sama. Moshikashite Goku-san no seichou ga kininatte amari nemurenakattan ja arimasen ka? Jōdan wa yose. Suimin wa jūbun toreta ni kimatteru daro. Ima sakki okita toko da yo. Sou desu ka? Bills-sama ga sou oshisharu nara sou iu koto ni shite okimashio. De, omae yōyaku tsukaimoro ni naru kurai tsuyoku natta yō da ne. Wakaru ka, Bills-sama? Ma ne. Shikashi. Kore nara angai tanoshimeru kamoshirenai na. Ne, Uisu? Ee. Goku-san nara daijoubu da to omoimasu yo. Yoshi. Sore ja sassa to Super Saiyajin Godo ni natte morau ka. Super Saiyajin Godo? Nanda, setsumei shite nakatta no ka, Uisu? Super Saiyajin Godo to wa 6 nin no tadashii kokoro o motsu Saiyajin niyotte ichiji deki ni umidasareru Saiyajin no kami o sashimasu. Tsumari, Goku-san to ato 5 nin no Saiyajin ga ireba Super Saiyajin Godo ni nareru toyu wake desu. 5 nin mo? Saiyajin de sonna ni inno kana? Ma, sore nitsuite wa watashi ga nantoka suru no de go anshin wo. Nantoka suru tte yappa sungen da na, Uisu-san tte. Sore ni shite mo Super Saiyajin Godo ka. Super Saiyajin ni mada ue ga atta nda na. Anata ga nozomu nara ima sugu ni demo Godo ka no junbi o hajimerare masu ga dou shimasu? Afin d'aider Sangoku à devenir Super Saiyan divin, Whis invoque Sangohan, Sangoten, Vegeta et Trunks. Alors je vous ai passé les phases d'entraînement pour arriver jusqu'à la transfo de Super Saiyan God, parce que c'était infâme. C'était toujours des combats contre Whis, donc bon. Il invoque également Trunks du futur. Les Saiyans suivent les instructions de Whis et commencent les rituels. Suite à cela, Sangoku est enfin capable de se transformer en Super Saiyan divin. これがスーパーサイヤ人ゴッド。待っていたよ、この時を。待たせちまって悪かったな、ビルス様。けど、これで思いっきり戦うことができるぞ。本格的な運動は実に久しぶりだ。少々力のコントロールが甘くなるかもしれん。コロッと殺してしまったらすまんな。大丈夫だ。今のオラはそんな簡単にやられたりしねえ。その自信と度胸は認めてやる。だが、
肝心の実力はどうかな。せっかくゴッドになったんだ、がっかりさせるなよ。あ、行くぞビル様。せいぜい楽しませてくれよ、孫悟空。J'ai hâte. Oh, c'est stylé. J'ai hâte de voir après la transformation de Vegeta. Ça sera dans le prochain épisode. Babyrus, il est niveau 100. Alors, comme vous pouvez voir, je suis monté de level 104. Ce qui va clairement aider nos combats, logiquement. J'ai fait pas mal d'entraînement contre Whis, hein, comme je vous ai dit. Je vous ai passé parce que franchement, ça valait pas le coup de vous les montrer. Alors, niveau gameplay, par contre, c'est quasiment la même chose, j'ai l'impression là. On n'a pas eu d'attaque spéciale supplémentaire non plus pour le moment. On a juste cette super belle transfo. Le Super Saiyan God, c'est une de mes transformations préférées personnellement. Vous pouvez me dire la vôtre dans les commentaires si vous avez envie. Une de celles... Oh putain! Non! J'ai essayé de me TP, j'ai pas réussi. Attendez, il faut que je sorte de l'eau là. Parce que le problème, c'est que dans l'eau, je vois pas grand chose. D'accord, le Genkidama nous détransforme quand même. J'aurais pensé qu'en Super Saiyan God, on gardait la transformation lors du Genkidama, mais c'est pas le cas. Oh là là, cette surcharge en éveil, grandiose. On a toujours quand même à téléporter, ça c'est stylé. Par contre, attendez. Qu'est-ce qu'il nous fait? On lui laisse pas faire sa supernova. Le super point du dragon, c'est trop cheaté comme attaque parce que ça contre en fait les attaques rouges de l'adversaire. Ça, c'était une très grosse erreur d'avoir fait ça. Ah, ça lui fait un bouclier, c'est horrible. Elle est horrible cette attaque. Je peux pas me la contrer, je peux pas me téléporter. Parce que ça lui fait une sorte de bouclier. Alors ce qu'il y a de cool avec cette transfo, c'est qu'elle consomme quasiment aucune barre de ki. Comme le Super Saiyan en fait. J'ai l'impression qu'elle est du niveau du Super Saiyan. D'accord. Donc l'attaque là avec les boules d'énergie qu'il a faites, je peux la contrer avec un Super Kamehameha. Ça, apparemment ça détruit. Ça détruit correctement. Oh shit. Ces boules d'énergie. Mais alors là par contre la supernova, faut absolument que je la contre avec le point du dragon. Parce que si je le fais pas, je meurs clairement. Enfin, heureusement que je suis level 104. Parce que là j'aurais pas été level 104. Je sais pas comment j'aurais fait. Allez, meurs pas. Pas maintenant. On va passer en éveil surcharge. On va essayer de terminer comme ça, vous savez quoi. Allez. Go, go. Non. Il vient de se réveiller. Oh, ça va être compliqué. Arrêtez l'attaque. Oui, ça suffit. Nickel. Non. Non, encore. Allez, crève. Oh, qu'est-ce que c'est classe. Laisse tomber.
本当に久しぶりだよ。僕を相手にここまで戦える奴に会えたのは。しかもスーパーサイヤ人ゴッドの力を短時間で自分のものにするとは。本当に面白いやつだ。スーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということは、あなたも神の一端に触れることになります。むやみやたらと振り回していい力ではありませんが、あなたなら大丈夫でしょう。そういうことでいいんですよね、ビルス様。いずれお前の力が僕の役に立つ時が来る。その時までせいぜい力をつけておくことだな。期待を裏切るんじゃないぞ。アンガトナービル様。これで修行は終わりですね。お疲れ様でした。私もなかなか楽しい時間を過ごせましたよ。あ、そうだ、あのさ、ウイさん、また修行したくなったらオラの相手にしてくんねえかな。ほう、ウイさんとの修行はすんげえ力尽くしよ。だからな、頼むよ。ま、いいでしょう。ビルス様の相手をしてくれましたし、特別サービスですよ。やったー、アガトナ。OK, petit combat bonus avant qu'on se quitte pour l'épisode avec Vegeta. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai débloqué là lors des derniers combats. Entre autres, la transformation Super Saiyan divin qu'on a pu voir contre Beerus. Mais aussi le Kamehameha divin et les nouvelles attaques au corps à corps. Parce que Goku a clairement monté de niveau après son dernier combat contre Beerus. Donc on est parti, je vais vous montrer sur l'entraînement Kaio, niveau 150. Donc on est toujours en sous-niveau, hein, on est level 105. Je vais pas faire celui de 200 parce que deux fois le niveau, en gros, si oui, s'il me touche avec une attaque, je suis mort. On va plutôt rester sur un truc comme ça. Ça va être difficile, mais ça devrait être jouable. Allez, on est parti. Et première chose, regardez les attaques au corps à corps. Goku au corps à corps, alors on va se méfier quand même. Il a de nouvelles attaques désormais. Bien plus rapide comme vous pouvez voir. D'ailleurs, oui, il n'aime pas du tout parce qu'il me repousse à chaque fois. Ça va être chiant de se battre entre ces boules d'énergie. Ah, il veut vraiment pas que je le touche. Ok, on se transforme du coup. Classe, hein, la transfo. Super classe. Les effets aussi, franchement, ils déchirent. Les flammes, les sortes de petits coups, les petits trucs de paillettes, là. Enfin, je sais pas comment ça se dit. Truc transcendant. Vous m'aurez compris. Et du coup, le Kamehameha divin, c'est un Kamehameha rouge qui peut être téléporté, mais qui peut aussi, lorsque j'ai plus de ki, il faut vite que j'augmente le ki, avant que je me transforme, parfait, qui peut aussi être prolongé, regardez. Si je laisse mon doigt appuyer sur triangle, ça prolonge mon ki tout en utilisant plus de... Non, ça prolonge mon attaque tout en utilisant plus de ki, voilà, je vais y arriver. Ils sont pas trop classe les nouveaux combos. Et attendez, c'est pas fini. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez un petit peu la différence entre chaque attaque? Franchement, c'est du gros n'importe quoi tellement c'est stylé. Et Goku est vraiment très fort parce que notre surcharge en mode Super Saiyan God, elle augmente à vitesse grand V, ce qui fait qu'on peut repasser en éveil très rapidement. Allez, super point du dragon. Et en plus, elle consomme même pas beaucoup de ki, c'est pour ça que j'ai complètement enlevé du coup pour cette fois le... Comment ça s'appelle ?
la transformation de Super Saiyan 3 parce qu'elle sert plus à rien. Boum, dans tes dents. J'aimerais terminer un combo, mais je sais pas si on va pouvoir le voir correctement. Ah, c'est bon, on l'a vu. C'est un point du dragon simple, en fait. Et logiquement, j'ai un Kamehameha simple aussi, si je me trompe pas. Alors que j'aurais pas pu poser, malheureusement. Vu qu'il m'a repoussé une fois de plus. Alors là, ça s'annonce pas bon du tout. Et j'ai bientôt plus de ki, il va falloir que je recharge. Il a pas fini, forcément. Oh non, non, non. Level 150, s'il me touche avec ses attaques là, je suis mort de chez mort. Oh mon dieu, ma vie. Ok, c'est bon. C'est bon, nickel. Est-ce que vous voyez le petit Kamehameha? C'est stylé, hein. Franchement, ce nouveau Goku, il déchire. Il déchire grave. Et comme pouvoir, la surcharge était déjà prête. Hein. Waouh. Tellement balèze. Tellement balèze. Laisse tomber. Parfait. Les os sacrés, c'est ce qui m'a aidé à level up aussi hors vidéo. Ça fait monter le niveau à fond. Et tous mes buffs ont disparu. Ok. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bah, bien sûr, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo avec Vegeta qui va apprendre la transfo de Super Saiyan God. Allez. Encore merci. À très très vite. Et ciao ciao.